Et bonjour Internet, bonjour à tous, ici Casaménia, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je retrouve les amis en gameplay, découverte, commentée, vidéo YouTube sur Retirer Légion. Donc Religion, ce jeu vient de sortir récemment sur Steam, il est dans les 18€. Alors le jeu est un RTS qui vous propose de gérer une espèce de société technocratique futuriste dans laquelle vous allez incarner une espèce de gourou technocrate entre autres, et le but sera de faire de votre secte la plus puissante du coin, et d'éliminer bien évidemment les gens qui traîneraient par là, ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Donc imposez votre vision, vos idéaux aux autres. Voici un petit peu l'idée de ce RTS Religion. Tout ça dans une ambiance, c'est ça, cyberpunk, dans un futur assez triste, on va dire. Alors, on va se lancer une game, on va découvrir ensemble les premières minutes de jeu, voir ce que ça donne. Alors, je vous avoue que je n'ai jamais lancé, donc vraiment une vraie découverte. On a une petite... une petite citation de Diderot. I've been known by many names. Prophet. Savior. Liar. Murderer. Yet a long time ago, I was just Elliot. A man who wanted to change something. Man who wanted to free the people from their cages, built by powerful and greedy corporations. To show them life filled with purpose and peace. But perhaps I failed. Maybe it was all a mistake. There is no right nor wrong after all. Or perhaps I was already consumed by darkness. What I am certain of is that I started all of this, brought us to this point, and this is why I will be the one to end it. How did it come to this? Donc l'ambiance générale est plaisante. Donc Elion, Elion, c'est bonhomme qui parlait avant d'être l'espèce de grosse bestiole qu'il était. Il s'appelait Elion. Hop. Donc j'avais l'impression qu'on va suivre donc l'histoire d'Elion. Diagnostication d'influence du système d'injection de pensée. Ceux qui ne sont pas nés dans les familles de corporations ont été piégés par le nihilisme, l'hédonisme et la décadence. Les gens n'ont pas d'autre choix que de vivre des existences dénuées de sens, de rechercher les maigres satisfactions de leurs besoins primitifs. L'humanité a besoin d'un chef qui la détournera des ténèbres, quelqu'un qui convoquera les civils de rejoindre la rébellion contre les élus. Donc c'est comme ça qu'on commence. Ouais, ça, en fait, on revient un petit peu dans le passé pour revoir un petit peu l'histoire de Elion, ce personnage qui est devenu l'espèce de grosse bestiole qu'on avait vu là, enfin, avec sa grosse voix. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que l'ambiance est plaisante, l'ambiance musicale, et il y a un bel effort sur la traduction française, hein, c'est toujours pas gagné quand même sur les jeux. Alors, Elion, approchez-vous du citoyen éméché. On va le recruter. Eh, hey, ça va ? Ok. There is. Trust me. Just please accept my TIS pack. Accepte mon pack SIP. Alors, qu'est-ce qu'un pack SIP? C'est pour engager. On va le convertir. Citoyen sans but dans la vie. Sélectionnez Elion. Convertissez le citoyen en disciple. Oh, c'est comme si je l'attaquais quand. Ok, d'accord. Alors si j'appuie sur la fin, je sélectionne tout le monde. Très bien. Donc je me suis fait un espèce de mignon, quoi. En gros. J'ai la capacité donc de recruter des gens. Ok, on va continuer du tacticiel. Ah. Le SIP n'a pas affecté tout le monde de la même façon. Sur la route, un groupe de citoyens turbulents se fait pacifier par la police des corporations. Sauvez-les des robots gardes avant qu'il ne soit trop tard. Donc on va attaquer, j'imagine, les robots gardes. Et bon, on y va. Oh, j'ai quand même un pistolet. Il attaque, Mishmush. Oh, il attaque, mais il n'y a plus de vie. Oui, il est mort. Ok, donc les citoyens, tu les utilises, quoi, que tels des mignons. Ok, on a eu les robots gardes. On va les convertir tous beau monde. Allez. À moi, mon armée. Mes mignons.
Attends, je peux faire un serment. Du coup, je convertis tout le monde d'un coup, c'est ça? Ah, super. J'ai l'impression d'être un espèce de putain de gourou du futur quand même. Des années de lavage de cerveau et d'un style de vie destructeur ont eu des conséquences. De nouveaux disciples fragiles ne peuvent lutter contre la machine des corporations. Élevés au rang de fanatiques, ils ont une chance de lutter contre les élus. Les onctions octroient aux disciples plus de pouvoir. Ok. Donc je prends tous mes disciples. Ok, très bien. Donc mes disciples pourront apparemment gagner de l'XP au fur et à mesure. Là, on va attaquer le robot garde. Oh, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce bordel? Attaque! L'assaut! Est-ce que j'ai d'autres... Non. Ah, ils sont cartons les trucs là, merde. T'as pas le faire ça, sister? Je pense que j'aurais pas dû aggro toute la map d'un coup. J'ai pas un heal, quelque chose? Il n'y a pas d'autre moyen de contrôler et de gérer les disciples. Allez dans le menu commande pour un schéma de contrôle complet. Oui, bon, ça on s'en fout. Est-ce que je régène tranquillement ma vie? J'ai 354 de vie là par exemple. 2000, c'est que ça va être mes points d'action hein, pour pouvoir faire des sermons et tout. J'ai pas l'impression que je régène ma vie. Et ben on va avancer tranquillement par là. Hein? Il faudrait qu'on retrouve d'autres citoyens à citoyenner. Donc il y a l'espèce de brouillard de guerre hein, comme vous le constatez. Et pourquoi je peux pas les. Ah si, je peux. Allez, on va faire un sermon ici. Ah, ah, attends, il se passe un truc. Qui c'est ça? Fallen. Is that you? I thought you were dead. Fallen, my friend. It's good to see you after all these years. Where have you been? I thought you were dead. You've been gone for years. I came back. I can't handle what this place is becoming. All of us. Okay. The fuck you trying to say here, man? Fallen. I'm ready to fight against the ones, just like we planned. Oh, easy now. You come back after who knows how long and what? Yes. You taught me about the injustice of this corrupt system. You're a piece of work. If that's the case, you need to meet someone. She's a bit crazy. Ok, on va rencontrer un autre personnage. C'est quand même bien foutu, je trouve. Elyon, that old friend of mine I told you about. He wants to save the world. Don't be so sarcastic, Fallen. You can't just bring any old person in here. He looks like a suit to me. I'm no corporate drone. Look, I came here to help. I can't just sit back and watch what the ones are doing to us. What? Have you lost your mind? Look around. Look at all those mindless fools. Can't you see? It's not some miracle device. What horse? The point is, they're manipulating you. The corporations, the ones. You are sheep, and you... Fallen, what if he's right? We've been fighting the ones for years, but nobody has ever joined... I don't know. Maybe. Man, I never... Listen. I'll be dealing with the TIS... Émetteur de TIS. With... Okay, let's do it. Bon, c'est très bien que ça soit... I am... C'est parfait que ça soit traduit. Allez, on va essayer de récupérer des gens avec nous. On va faire un sermon. En tout cas, ça marche plutôt bien. Hein. Ça marche plutôt bien. Je sais pas combien de personnes je peux avoir là. Autant que je veux. Guns, je peux interagir avec ça? Ah, peut-être pas dans le didacticienne, mais apparemment, là, on peut aller au gun shop. Ouais. Là, ça n'a pas l'air, je pense, pour le didacticiel. Allez, on va trouver le décodeur TIS, là. Petit sermon. Sur les gens qui passent. Une armée. Allez, encore. Petit dernier pour la route. Venez, mes convaincus. Allez, à l'attaque, à la guerre. Je disais, c'est plutôt bien branlé. Notamment, je trouve tout ce qui est ambiance générale du titre. Et texture, tout ça. C'est pas gagné, hein, les petits jeux. Entre guillemets. Allez, Zou.
Ah, faut y aller. Donc on va aller trouver le slip. Tous sur le slip. Attaque. Oh là, c'est pas prévu tout ce monde là. Oh là, d'où ils sortent ceux-là? Oh là, j'ai pu voir personne là, ils vont tous crever. Enfin, en recruter des cons en chemin là. Ah ouais, donc elle c'est une healeuse. Ah voilà, j'ai plus un seul con. J'ai plus un seul convaincu, prêcheur, prêché. Bon, on va venir vite fin derrière pour en prendre une paire parce que... Ah oui, si, ils sont avec moi ceux-là. Bah alors, vous suivez pas, bande de bougou, hein? On va attendre un petit peu. Voilà, on a une paire. Celui-là est pour moi. Allez, zou. Hop, toi aussi. J'ai besoin d'un peu de monde. Je vais lever une armée des ténèbres. Alors. Oula, bah y'en a qui discutent. Mais aussi la police. Assassin de la police. Bon, ils sont quand même lents comme des putains de zombies, hein. T'es con. Voilà. Là, on a une petite armée. Alors, faut aller par là, trouver le récepteur, l'émetteur slip. Enfin, TIS. Pareil. Ouais, ils sortent de partout, les bordels, sérieux. Ils sont quand même fumés en 2-2, mes trucs, là, c'est chiant. Allez, on va leur convaincre en passage. Ah! Dis donc! Oh non. Introducing new justice. Allez. Alors, on va aller voir ce qui se passe par là. Trouver l'émetteur SIP. Bagarre. Oh, ils sont tellement lents. Alors on peut vous zoomer comment? On peut bien zoomer. Bon, les modèles des paysans là, des bonhommes de base, un peu dégueulasse par contre. À part ça, c'est plutôt propre, hein. C'est plaisant. Ah, on va les attendre un peu, ils seraient le fion. Et si je fais un sermon quand il y a tout le monde, ça fait quoi? Ah, ça leur monte la vie? Ou c'est ça les fanatise peut-être? Ils sont encore plus énervés? Est-ce que je peux les fanatiser? Non. Allez. La police. Ah, il est là, l'émetteur slip. Voilà, je vais essayer de refaire un sermon, voir si ça fait quelque chose. Voilà, en fait, c'est vraiment pour les ruines un coup, quoi. Ok. Boom. Now, all we need to do is start an uncontrolled overload test. It should overheat this thing. Logique. Voilà, facile. Comme bonjour. Et la suite? Trouver un refuge? Eh ben, on se casse d'ici. Les amis, je vous amène dans mon ordre. Ah, la maison de drogue, bien évidemment. Ben voilà, quête terminée, la maison de la drogue. Normal. Look at the people. They seem awake. Like they came out from a deep slumber. Elyon, you did such a great thing here. Told you. She's crazy. You don't understand. People need something that will unite them. People need leadership, rituals, a cult. This was just a stepping stone, Shireen. We haven't won yet. But we will. Elyon, you told me you wanted to do something. So, my prophet, what will be your first message to your followers? Voilà, donc on a des choix dans le jeu, c'est ça qui est intéressant. On va pouvoir créer notre idéal
de société petit à petit. Petit à petit, au niveau des choix. Donc choisissez le chemin de votre culte. Crypto-commandant, évangile et culte, neuromysticisme, soumission au leader et augmentation à son image. Cyber-occultisme, la force vient de l'intérieur. Grâce au combat et aux améliorations, on peut atteindre l'infini. Ça m'a toujours... Je n'ai jamais trop aimé l'histoire d'être soumis à un leader. L'évangile et le culte, ça fait trop, hein. On va plutôt partir sur le cyber-occultisme. La force vient de l'intérieur. Grâce au combat et aux améliorations, on peut atteindre l'infini. Croyance basée sur l'hypothèse que toute technologie provient de Dieu et que la survie du plus adapté est sa façon de repérer ceux qui sont dignes de l'ascension. Les cyber-occultistes rejettent toute limitation de la liberté individuelle. Ils louent l'optimisation personnelle grâce à des améliorations du corps et l'étude des savoirs ésotériques cachés derrière les 0 et les 1 du code binaire, considérés comme le langage de Dieu. Oh my god! Your time of servitude is over. The cage has been destroyed, and you will never be bound again. Infinity is not given. It is taken. Our binary god set an example by reducing the... Bah voilà, que ton nom soit sanctifié, et là, tu vois, je me suis transformé en une espèce de demi-dieu sur Terre. La volonté de Dieu s'est faite. Voilà les amis, c'était ma première présentation, premier pas sur Religion. Donc vous captez un petit peu le concept. Suite de l'histoire, je préfère vous la laisser si vous voulez jouer, que je vous spoil pas. Mais vous aurez, voilà, moult choix. Je me suis renseigné sur l'avancement de votre vision pour votre société voilà, qui va se lever contre les élus. Et vous, bien évidemment, comme vous avez pu l'avoir en introduction, vous finirez tel un putain de gourou, hein, faut le dire, hein, le roi d'une secte qui fait un petit peu peur. C'était Religion, je vous mets les descriptions, les amis, dans la description, pardon, de la vidéo, le lien vers le jeu, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, un partage, un abonnement, et dans la description, les liens importants de la chaîne. Amusez-vous, c'était Kaz, bye tout le monde.